venue encore avec moi. Heureuse de vous retrouver avec une nouvelle recette très simple et traditionnelle. Et c'est typiquement une recette qu'on consomme beaucoup pendant le mois de sacré, le mois de Ramadan. Alors cette recette-là, c'est la soupe marocaine, c'est la harira. C'est très facile à faire. On va tout mettre dans une marmite ou bien dans une cocotte à froid. Et on aura une très bonne soupe. C'est de la magie. Allez, donc comme d'habitude, je vous laisse les ingrédients au début de la vidéo et en descriptif également. Donc, j'ai besoin d'une marmite. Comme vous voyez, dans une marmite, je vais tout mettre. Je vais mettre mes pois chiches que j'ai déjà trempés dans l'eau la veille. Les lentilles, je viens de les tremper dans l'eau, donc je les place aussi. Je vais mettre tout dans la cocotte. Après, je vais passer sur le feu. L'oignon haché en petits morceaux. J'ai des morceaux des os de viande. J'ai désossé, j'ai pris la viande et j'ai laissé un petit bout. Et je l'ai mis dans ma marmite. Ou bien dans la soupe, ça donne un peu de goût et c'est trop bon. Et comme vous pouvez le remplacer avec des cubes de viande. Je vais mettre le céleri, deux branches de céleri que j'ai coupées. J'ai des tomates que j'ai mixées, les tomates cerises que vous avez vues au début des ingrédients que j'ai mixées. Avec leur peau, bien sûr. J'ai persil coriandre haché finement. Deux bonnes cuillères à soupe. Et donc la troisième cuillère, je vais la rajouter à la fin de la cuisson de la soupe. Donc on va mettre de l'huile. De tournesol ou bien d'olive ou bien ce que vous voulez. Donc, je vais mettre trois bonnes cuillères. Voilà. Pour les épices, je vais une petite cuillère de poivre, comme vous voyez. Après, bien sûr, pour le sel et le poivre, on peut l'ajuster à la fin de la cuisson. Donc, je vais mettre une bonne petite cuillère du sel. Voilà. Et une bonne cuillère. Petite cuillère du curcuma. Donc voilà. Là vraiment c'est facultatif, c'est au goût. Je vais mettre une tête de cuillère de la cannelle. Ça apporte un goût très 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 bon à la soupe. Et vous pouvez faire sans. Il y a des fois que je fais sans et c'est délicieux aussi. Donc pour la cuillère du beurre, je vais le garder pour la fin. Je vais vous montrer. Donc je vais placer sur le feu, je vais rajouter de l'eau et je laisse cuire. Vous allez voir avec moi. Donc comme vous voyez, j'ai placé sur le feu. Oups. Donc je vais remuer. Il n'y a pas besoin de le mijoter comme je vous avais dit à froid. Je vais rajouter de l'eau. Moi j'ai déjà préchauffé de l'eau, mais vous pouvez faire que de l'eau froid. Je vais mettre à peu près 1 litre au début. Voilà. C'est bon. Je vais fermer la cocotte et je vais laisser cuire en bas une demi-heure. Donc là les amis, j'ai mis la soupe à cuire.
Donc là, je vais prendre un demi-litre d'eau. Donc, voilà. Auquel je vais mettre 3 bonnes cuillères à soupe, bien 4 bonnes cuillères à soupe de farine pour préparer le liant de cette soupe. Je vais bien mélanger, bien remuer pour que ça ne fasse pas du grumeau. Donc moi je vais le faire un peu liquide, je ne veux pas que ma soupe soit trop épaisse. En même temps, je rajoute la bonne cuillère à soupe de concentré de tomate. Ça rapporte de la couleur, en même temps un peu d'épaisseur à notre soupe. Donc voilà, ça c'est le liant de la soupe. Là je le mets de côté en attendant que notre soupe soit bien prête. Et au moment que je incorpore la farine avec de la concentrée de tomate, je vais rajouter la petite cuillère de beurre salé que vous pouvez remplacer avec du beurre doux normal. D'accord ? En même temps, à la fin aussi, je vais rajouter une cuillère à soupe de persil coriandre haché finement. Donc voilà les amis, après 30 minutes de cuisson, je ouvre ma marmite. Désolée. Donc, comme vous allez voir, les pois chiches, ils sont bien cuits. C'est ce que je veux, vraiment. Et les amis, juste pour les pois chiches, vous pouvez les utiliser, les pois chiches de boîte de conserve. Mais dans ce cas-là, vous les utilisez à la fin avec le liant que je prépare. Donc, on rajoute le liant. En même temps, on remue. Et je vais sûrement rajouter encore de l'eau. Je ne veux pas que ma soupe soit trop épaisse. Parce que puisqu'il se cuit, puisqu'il devient épaisse. Donc, je vais... rajouter un demi-litre d'eau. Et voilà. Donc je laisse ma soupe ou bien la farine à cuire. Et là en ce moment, je vais rajouter le beurre rance, le beurre salé, bien le beurre rance. Ou bien du beurre doux si vous voulez. Je vais rajouter la cuillère à soupe de persil coriandre haché qui me reste. Un tout petit peu, une petite cuillère du sel, juste une demi-cuillère. Et une pareille de poivre. Et je vais remuer et je vais laisser cuire. Et je ne vais pas cesser de remuer. De temps en temps, je remue pour que la farine ne colle pas au fond. Ce que vous pouvez rajouter également aussi, vous pouvez rajouter des petites pâtes ou bien de vermicelle type cheveux d'ange ou bien du riz qui se cuit vite fait. Mais là, moi, je vais rester que sur le pois chiche et lentilles. Je laisse cuire à peu près 20 minutes de plus et après, on va le servir et on va le déguster ensemble. Merci. Voilà les amis, j'ai terminé, ma soupe elle est bien prête. Donc je vais la servir avec vous. Elle est vraiment bien bonne. Regardez-moi ça. Les pois chiches, les lentilles, le céleri, tomates, tous ces bons éléments qui sont bien pour le corps. Voilà. Donc voilà les amis, c'était la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas
de liker, du partager avec de la famille, les amis. Essayez la soupe vraiment de cette façon, c'est très 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 bon. Et vous pouvez rajouter un petit filet de jus de citron pour les amateurs. Et ça passe très 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 bon. Et je vous dis bonne dégustation. Et à très très bientôt avec une nouvelle recette. Au revoir.